C'est une fin d'année heureuse pour les personnes vivant avec handicap de l'espace Katonga. Ce samedi 31 décembre 2021, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe a encore posé un geste à leur regard. Plus de 2500 sacs de farine de maïs ont été remis à cette catégorie de personnes. Grand merci, bénédiction, autant de mots à l'endroit de l'ancien gouverneur du Katanga qui remet sans relâche l'homme au premier rang de ses préoccupations. Il y a de quoi lui dire infiniment merci. Ensemble, tout derrière nous, Mayako Charman, pour accompagner l'accent de Sana, l'accent de Sana, pour bientôt nous finir. Mungu ambariki, endele, ampatie mashuku mingi, kupitia hii acte na fanya, Mungu antuka amukumbuke kuzina wetu. Je nom kero tu merci sana, sana na zaidi, ashikati ya fame endele, she kufa binitu binene na shie, balbinos na ba, tu de, ma kategori presque yote. Excellence, Moïse Katumbi Tchapwe, kwa hii Evra nafanya tena, tunaona Evra mzuri sana, kusaidia ko tena, bantu umukini. Ni kintu kizuri sana, ina bote wa nsaidiaka, kama tunaona nsaidia hivi, ni mtu wa mapendo, tunafika merci, auna ya ensemble. Ni Moïse wa mubible, aina Moïse wa sema wa hivi, ni mtu wa nsaidia population na shiba indikape, astu sabwaki, shibi tu wapu. Pour Jean-Paul Ngouège, président des personnes vivant avec handicap, ceci est un geste significatif et même lourd d'essence. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de déposer de tels gestes. Si quelqu'un le fait par amour, il faut seulement lui dire merci et puis consommer ça avec joie. Donc les sentiments pour tout le monde est vraiment une satisfaction totale. Donc nous ne pouvons que lui dire merci et un grand merci. Un tout petit geste qui a touché profondément cette catégorie de personnes en cette période des festivités de fin d'année. Partout dans le Haut-Katanga, les personnes vivant avec handicap continuent d'implorer au bon Dieu de protéger leur digne fils, Moïse Katumbi Tchapwe. Derrière la ashikue kukaji ya leta yeye anatukumbukaka toujours. C'est pourquoi kia mafa tunalomba tumombe Mungu ashipendeke kufete mwenyewe. C'est pour cela ripenda kufete na batoto yake tuku batoto yake bako sa yote tuku naye nini kuroma. Pour Jean-Paul Ngouège, la générosité de l'ancien gouverneur du Katanga n'a plus de limites. En tout cas, il n'y a pas un mot qui dépasse merci, un tout grand merci à lui et à toute sa famille et surtout pour sa générosité. À l'hospice des vieillards de la paroisse Saint-Charles Luanga de Kipushi, l'abbé Maurice a trouvé les mots juste pour remercier Moïse Katumbi au nom des vieillards. Nous remercions l'honorable Moïse pour ce geste et ça montre la charité parce que donner la nourriture aux personnes de troisième âge, ça témoigne que nous sommes chrétiens et nous nous aimons les uns les autres. Et que Dieu le bénisse dans ses multiples responsabilités
et qui l'accompagne durant cette année qui vient de commencer. Après Lubumbashi et Kipushi, c'est Kasumba Lissa qui est visé pour le même don signé Moïse Katumbi. Voilà, écoute, Lumière, c'est pratiquement une autre réalisation de l'honorable Moïse Katumbi Tchiapwe. Vous le savez, cette remise a commencé par la ville de Lubumbashi. Nous étions rendus à Kipushi et voilà, aujourd'hui, c'est la ville montagneuse de Likasi qui nous a accueillis. Les personnes vivant avec handicap qui sont justement autour de nous vont recevoir un don de l'honorable Moïse Katumbi Tchiapwe, comme ça a été fait dans d'autres villes de la province du Haut-Katanga. Alors, c'est justement un sentiment de joie. De mots sont vraiment ne cessent d'être dits ici pour l'honorable Moïse Katumbi Tchiapwe qui ne cesse justement de donner, de propager les sourires à ses semblables et surtout cette catégorie de personnes souvent marginalisées dans la société. L'honorable Moïse Katumbi Tchiapwe, nous lui disons sincèrement merci. Si on avait un autre mot qui pouvait être beaucoup plus supérieur au merci, on le dirait parce que les gestes qu'il vient de faire, c'est vraiment énorme. Nous lui disons sincèrement merci et nous sommes derrière lui pour l'accompagner dans toutes ses ambitions. Alors la remise, elle est faite effectivement ici dans la ville montagneuse de Likasi où les présidents de personnes vivant avec handicap de la province du Haut-Katanga, y compris son comité, ils se sont rendus pour pouvoir remettre ces dons de l'honorable Moïse Katumbi. Alors ce qu'on doit retenir, c'est que c'est justement une journée aussi spéciale pour cette catégorie de personnes depuis la ville montagneuse de Likasi, Gélor Chamba, pour le compte de Nyota Radio et Télévision. Alors Lumière, vous le savez, on a quitté tardivement la ville montagneuse de Likasi pour pouvoir atteindre la province du Lualaba. Et là, nous sommes maintenant à Kolwezi, devant même le bureau du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Tchiapwe. Il s'agit des Ensembles pour la République, comme à Likasi. Mais ici, il y a justement une différence parce que c'est pratiquement toute la province qui a pris rendez-vous pour pouvoir venir ici réceptionner ces livres de l'honorable Moïse Katumbi Tchiapwe qui ne cesse, n'est-ce pas, de remettre l'homme au centre de ses préoccupations. Alors on doit retenir ce que ici au moins 600 personnes vivant avec handicap sont venues pour pouvoir réceptionner ces dons venant de main propre du président de cette catégorie de personnes. Il s'agit bien de Jean-Paul Ngouej ainsi que son comité national. Alors l'ambiance est au zénith, on doit le dire, l'ambiance électrique, parce que ces personnes se retrouvent aussi, ils n'ont pas su gérer leur joie que de pouvoir placer un mot à l'endroit de l'ancien gouverneur du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchiapwe. Il remet sans cesse l'homme au centre de ses préoccupations. Alors c'est depuis la matinée que nous sommes ici dans la ville province du Lualaba. Ces camions sont pleinement chargés de sacs de farine des maïs, destination la ville de Likasi, le territoire de Kambove et Kolwezi dans la province du Lualaba. C'est un don en vivre du président Moïse Katumbi à l'endroit des personnes vivant avec handicap. Premier cap, la ville montagneuse de Likasi. Ici dans la salle de l'entente urbaine, la délégation envoyée par le président Katumbi est bien accueillie. Le motif de cette rencontre est dévoilé. Aïfaï Kesho, Bakouye Batulande, Tukunaona Bet, sa président Moïse Niwet. Mon matesso Tukunaye, Mufura Tukunaye. Bakia, sa batoto ba mayatima. Après par la mouya chitouachi, c'est pour cela la Tukumbu Katena. Sa yote na kila wakati Tukunaye wapikubo. Pour Jean-Paul Ngouej, Moïse Katumbi se veut proche d'eux. Yves Zahadaï, mi a bonne année. Bonne année, Ingari Ndelea, Tukure Nafura, Natumukumbuki. Alors, il y a de quoi lui dire grand merci pour ce geste d'humanisme.
président Moïse Katumbi Tshabe. Kilima, c'est la fin de la vie. Kilima, c'est le nouveau horizon. Kilima, c'est un paradis sur la terre. Kilima,